retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, un vlog d'écriture. Je vais me filmer pendant une journée en train d'écrire une nouvelle. Cette vidéo est en quelque sorte une suite ou un complément de la vidéo « Comment écrire une nouvelle » que j'ai publiée il y a 2 semaines maintenant. Mon café et mon petit-déj sont prêts, donc je vais pouvoir commencer. J'ai préparé en amont des petites notes. Je ne vais pas forcément pour l'écriture d'une nouvelle, mais là, c'est une nouvelle un peu spéciale puisque c'est une nouvelle que j'écris pour un recueil collectif sur le thème d'Halloween. Et j'ai proposé en fait aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, de choisir eux-mêmes de quoi parlerait cette nouvelle avec des sondages dans les stories Instagram. Je dois écrire une nouvelle fantastique beat lit avec un personnage féminin entre 25 et 30 ans. Dans un environnement urbain, ce personnage doit vivre une histoire d'amitié avec un garçon et gérer une histoire de famille qui la menace de manière personnelle. Voilà, c'est parti! L'héroïne s'appelle Tania et en fait j'ai choisi dans cette nouvelle de reprendre le thème classique de l'opposition entre les vampires et les loups-garous. J'ai fait ce choix puisque c'est une nouvelle, j'ai besoin que le lecteur comprenne d'emblée où il se trouve. Et l'opposition vampire-loup-garou, on la retrouve dans de très nombreux ouvrages fantastiques ou de beat-lit. Donc j'ai pas besoin de me perdre en description, en explication. D'emblée, le lecteur sait vampire-loup-garou. Opposition. Ça permet de gagner du temps, de gagner de la place, puisque j'ai un nombre de signes limité. La nouvelle que je vais écrire ne doit pas dépasser 30 000 signes. Problème puisque j'ai déjà atteint les 10 970 signes alors que je ne suis pas même à la moitié du petit plan que j'avais prévu. Je ne suis qu'au début de mon histoire. Donc il va falloir que je sois plus succincte. Il faudra forcément à la relecture que j'enlève des choses. Et oui, Simone est une vraie pot de colle. Hein ? Elle est toujours collée à moi. J'avais oublié de relancer la vidéo. Je vais faire une petite pause parce que ça fait quand même 4 heures que j'écris. J'ai bien avancé. Il me reste 3 tirés sur mon plan. Le temps parfait pour écrire. Dommage que j'ai pas de jardin ou même de balcon. Alors, il est 14h, je me suis préparée ma tailleur, je vais pouvoir m'y remettre. Mes 2 carburants principaux pour écrire. Eh bien, il semblerait que j'ai terminé le premier jet de ma nouvelle. Ça fait 9 pages, 4235 mots. Et c'est pas du tout la fin que j'avais prévue au départ, mais c'est ça aussi qui est cool dans l'écriture, c'est que parfois on se laisse emporter et on se laisse surprendre. Je suis plutôt satisfaite. Maintenant que c'est terminé, je vais pouvoir aller profiter un petit peu du soleil à ma fenêtre en posant avec un bon bouquin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog écriture vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.